Monsieur Moukena, vous êtes l'invité de notre journal. Merci beaucoup de l'avoir accepté. La RDC et la Chine s'engagent à réchauffer leurs relations, mais cette fois-ci pour un partenariat gagnant-gagnant. Contrairement, en 2007, le gouvernement congolais a directement signé des accords, notamment dans le secteur minier, avec Pékin. Est-ce que vous pensez que ceci peut changer quelque chose? Je dois dire que ce partenariat a toujours été Chine-RDC. Même à l'époque, en 2008, avec la signature de cette convention sino-congolaise, c'était l'État congolais, mais représenté par la GECAMIN, mais ce sont des décisions des hommes politiques, le président Kabila à l'époque, avec le groupement d'entreprises chinoises qui sont accompagnés par le gouvernement chinois. C'était la même situation. Il n'y a pas de changement aujourd'hui. Même si c'est le président de la République qui va vers le président chinois, cela ne fait pas dire que c'est l'État congolais et l'État chinois. À quel moment est-ce qu'on peut parler de l'État où une personne peut engager l'État? On peut avoir le mandat du pays, mais ici, nous devons déplorer le fait que nous risquons de commettre la même erreur qu'avec le régime passé. Parce qu'avec l'accord de 2008, c'était des politiciens congolais qui avaient négocié avec des techniciens, des experts chinois. Aujourd'hui, nous pensons que c'est la même erreur. On a des politiciens qui vont négocier avec des experts chinois. Voilà pourquoi nous, en tant que civil, on avait demandé qu'il y ait d'abord un audit de tout ce qu'il y a comme accord. Parce qu'on doit savoir qu'est-ce que l'État congolais a réellement perdu pour qu'on puisse maintenant savoir sur quel pied renégocier le contrat. Mais si on ne sait pas exactement, bon, et les gens parlent de 20 milliards, tout ça, bon. Mais il faut qu'il y ait même un audit qui est mené par des experts qui puissent déterminer également la perte de la part de la RDC et puis les bénéfices ou les sous-bénéfices de la part de la Chine. À ce moment-là, ça permet de renégocier les affaires et ça permettra à la RDC de gagner. Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, il est toujours important que la RDC procède à la renégociation du contrat en dépit du fait qu'il y a ces nouvelles engagements justement entre la RDC et la Chine? C'est très important et c'est incontournable pour que la RDC puisse également tirer profit de ces partenariats. Il faut renégocier ces contrats. Si ce contrat n'est pas renégocié, mais la RDC va continuer à être perdante dans ce partenariat et finalement, il y a une disposition de la Convention qui dit que en 2034, si le prêt n'est pas totalement remboursé, ce sera une dette publique. Même vous allez payer ces dettes-là, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce que vous avez profité de ce contrat en tant que citoyen congolais? Mais vous devez payer ces dettes-là à partir de 2034. Mais ce sont de telles clauses qu'il faut annuler de la Convention, qui pénalise davantage la RDC, en plus du fait qu'on est en train de perdre, mais on sera engagé à rembourser ces prêts-là. Ce sont de telles clauses qu'il faut enlever de la Convention et rééquilibrer les choses. Vous allez vous comprendre que le groupe d'entreprise chinoise a déjà amorti l'investissement. Le groupe d'entreprise chinoise a déjà réalisé énormément de bénéfices. Et la RDC, rien jusque-là. Lors de son séjour en Chine, la délégation congolaise a aussi plaidé pour que la SICOMINE soit exclusivement gérée par Kinshasa. Est-ce que vous pensez que cette mesure peut être profitable au pays? Même à la signature du contrat en 2008, c'était la primature et je crois le ministère des grands travaux qui devait gérer ce projet. Mais il avait été créé un autre bureau de coordination sino-congolais qui dépendait directement de la présence qui a géré ce projet et nous sommes là où nous en sommes. Avec le nouveau régime, il y a eu encore une commission, il y a eu des commissions et des commissions. Au lieu que ce soit le gouvernement, voyez, là, quand je parle des techniciens, je suis en train de faire allusion aux experts des différents ministères, des différents portefeuilles. Il y a des ministères du gouvernement qui ont des experts qui peuvent suivre la question, mais qui ne sont pas intéressés. Des fois, on a des personnes désignées, nommées, qui doivent suivre la question, alors qu'ils n'ont pas d'expertise. Nous avons même suggéré que le gouvernement congolais puisse recruter un cabinet indépendant d'experts pour l'accompagner dans la renégociation du partenariat. Mais cela n'est pas toujours fait. J'étais en train de dire que la RDC est dans une position de force. Le gouvernement chinois qui accompagne les investissements chinois
en Afrique principalement, l'RDC, avait déjà accepté de renégocier ce partenariat. Il ne restait qu'à déclencher le processus de négociation. Mais voilà qu'il y a maintenant des voyages, on doit visiter le président chinois, on doit discuter. Mais tout ça, pourquoi alors que les faits sont là? Monsieur Moukiena, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.